quand je commence un nouveau jeu, je suis vraiment excité à l'idée de le découvrir. Mais s'il y a bien un truc qui me refroidit, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment suis-je censé savoir quel est le meilleur choix avant même d'y avoir joué? Vous imaginez si dans Mario, on pouvait choisir sa difficulté? Je vais prendre le difficile. Pour comprendre la difficulté dans les jeux vidéo, il faut revenir en arrière. Presque, mais encore plus loin. Nous y voilà, les bornes d'arcade. Là, on s'est demandé comment on fait pour que les gens mettent leur pognon dedans. Faut pas l'oublier, ça reste un business. L'argent doit tomber et ils ont trouvé le filon. Créer des jeux à l'allure simpliste, mais à la difficulté aberrante. Le système de vie a été créé pour représenter la pièce que vous venez de mettre. Et pour que l'argent coule plus rapidement, il fallait que le joueur perde vite. D'où une difficulté jugée extrême pour la majorité. C'est pour cette raison qu'on n'a pas de borne Animal Crossing. Et s'il y en avait une, ça aurait ressemblé à ça. Le temps est passé, une révolution est arrivée. Les consoles d'intérieur. Parmi ceux-là, l'Atari 2600 et la NES sont les plus connus. Même si vous n'avez pas vécu cette ère, vous en connaissez bien la réputation. Si le joueur du grenier et Angry Video Game Nerd nous paraissent colériques, il y a de quoi quand on joue à ces jeux vidéo. La façon de créer un jeu devait changer, car la façon dont nous le consommions était différente. Nous n'achetions plus une partie de quelques minutes, nous achetions un jeu dont la promesse était de nous garder durant des heures. Lorsque nous sommes dans une période de création, il est impossible de ne pas être influencé sur ce qu'il existe déjà. Il est donc naturel que les créateurs de jeux se soient inspirés des bornes d'arcade. Eh ben, ça a pas donné de jolies choses, hein. Je vous passe une chanson du JDG qui illustre parfaitement mon propos. Recette pour jeux pourris. Un courant d'air qui déconne, une lampe qui t'abandonne, des plateformes pourries, rajouter une chauve-souris. Oh, je vais en mettre deux. Un boss presque impossible, une plateforme inaccessible, ce mec est un abruti. Tu viens de perdre une vie? Non, je viens d'en perdre trois. Ah bon, je croyais. Toutes les monstruosités de level design sont dues à la volonté de créer des jeux plus longs. C'est avec ça que sont nés les joueurs dans les années 80. Pas étonnant qu'ils réagissent en voyant les jeux d'aujourd'hui. Même dans Max Payne 3, ils ont mis Old School comme étant le plus dur des modes. Et voilà. On est revenu au point de départ de la vidéo avec le choix de la difficulté. Les soucis de level design et de maniabilité commencent à être mieux répondus avec le temps et on peut apercevoir les premiers efforts dans leur approche liée à la difficulté. Ils ont commencé à donner le choix aux joueurs. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement? La grande majorité des jeux, vous perdez quand votre personnage est à court de vie et vous gagnez quand ceux de vos adversaires sont à zéro. La difficulté va donc très souvent jouer sur les facteurs de points de vie et de dégâts. Vous voyez le problème? Comment pourrions-nous donc juger ça sans même y avoir joué? Le fait de proposer le niveau démontre un certain manquement qui m'amène à une autre question. Pourquoi jouons-nous? Quel est le but des jeux? Oui, on commence à poser des questions existentielles, alors accrochez bien vos ceintures. Les jeux nous procurent divertissement et accomplissement. Le divertissement est déterminé comment nous interagissons avec l'environnement. Pensez à Super Mario 64. Dès le début, on nous met dans un monde ouvert pour qu'on puisse utiliser librement nos commandes. L'accomplissement sera sur notre capacité à utiliser nos moyens d'interaction pour parvenir au but. Dans le même exemple, c'est l'ensemble des efforts que vous avez fournis pour parvenir à obtenir une étoile. En combinant les deux, on obtient donc un jeu. On peut facilement déduire que la difficulté est liée à l'accomplissement. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Un combat où vous êtes poussé dans vos derniers retranchements et dans un ultime effort, vous parvenez contre toute attente à vaincre. Ce sentiment est l'un des meilleurs que nous pouvons ressentir, que l'on peut également retrouver dans des moments épiques d'animé. Mais pouvons-nous obtenir légitimement cette satisfaction si nous ne choisissons pas la plus dure des difficultés? Donner le choix au joueur, c'est lui donner trop de pouvoir. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La réelle question serait plutôt, comment le jeu est-il supposé être joué? Puisque nous n'avons aucune réelle idée sur quelle difficulté se mettre, le facteur décisif qui va choisir, c'est notre ego. C'est la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même. On peut parfois lire ou entendre, si t'as pas joué en difficile, t'as pas joué au vrai jeu. Parce que pour eux, la meilleure expérience, c'est celle qu'elles ont vécue. Mais alors, qui serait donc la personne la plus apte à nous dire quelle difficulté prendre? La personne d'à côté? Notre ego? Non. S'il y a bien quelqu'un, c'est son créateur. Le jeu vidéo est un art.
c'est une forme d'expression du vivant, tout comme la peinture, la danse, la musique. Imaginez, vous êtes dans un musée et avant de voir un tableau, on vous demande quelle version vous désirez. La verte, la bleue, la rouge? On est quand même là pour apprécier l'œuvre pensée par son créateur. Lorsque vous créez de l'art, vous le créez sous votre œil. Vous ne partez pas sous le principe qu'il y aura des variantes pour essayer de plaire à monsieur et madame tout le monde. La difficulté, c'est pareil. On ne veut pas d'un produit altéré. On la souhaite telle qu'elle a été réellement pensée. Mais alors, quelle serait la solution? La structure du jeu. Lorsque nous sommes dans une impasse, il est un bon réflexe d'analyser et de déconstruire ce qui a fonctionné. Et pour ça, je vais reprendre mon exemple qui est un vrai succès planétaire depuis des lustres. Mario. Pour cette partie, les extraits utilisés et analyses proviennent de Civ Gaming sur la difficulté dans Mario. Le lien se trouve dans la description. La séquence proviendra du niveau Spinning Star Sky dans New Super Mario Bros. U sur Wii U. La particularité de ce niveau sont les étoiles qui tournent selon où se trouve Mario. Comme dans Super Mario 64, dès le début, on nous laisse libre de nous amuser et expérimenter avec une très faible chance de perdre car le trou est minuscule. Il y a deux choix, soit vous décidez de continuer le jeu, soit vous décidez de prendre le champignon caché dans le bloc. En prenant le second choix, le champignon sort et notre instinct nous dicte d'aller le chercher car nous savons que c'est un bonus nous aidant à continuer l'aventure. Un enjeu plus important arrive. Si on ne le rattrape pas à temps, on perd le bonus. La difficulté augmente car le champignon se dirige vers son triste destin. En continuant, le jeu devient plus dangereux. Nous avons désormais deux étoiles avec une large zone de mort. Même constat, le joueur peut continuer sa route ou essayer de sauter sur l'ennemi volant pour obtenir à nouveau un bonus. Le jeu redevient facile et on se retrouve plus tard avec un moment encore plus dur avec 4 étoiles dont la récompense est le point de sauvegarde. Si vous mourrez, vous ne retournerez pas au début du niveau, mais ici. Maintenant que nous avons établi un nouveau point de départ, on peut repartir par un niveau un peu plus facile que le précédent, mais avec une récompense optionnelle. C'est la même chose, vous pouvez avancer ou essayer de gagner le champignon sachant qu'il se dirige vers une zone dangereuse. Toute cette mise en place est pour la véritable difficulté du niveau. Vers la fin, on se retrouve avec 5 étoiles à traverser avec uniquement le vide en dessous. On finit par un moment plus détendu avant d'atteindre la fin du niveau. Civ Gaming a créé un graphique montrant la progression en axe X sur la difficulté en axe Y. On se rend compte que cette courbe n'a rien de linéaire, mais elle respecte toutefois une tendance vers le haut. Les récompenses augmentant la difficulté ont été placées après le début de chaque départ. Le joueur a eu le choix à 2 reprises d'augmenter lui-même la difficulté pour parvenir au but, finir le niveau. À la place de donner une difficulté fixe avant le jeu, vous donnez la possibilité de choisir durant le jeu. Le joueur ne sera donc pas amené à choisir une difficulté selon son ego, mais à choisir sa méthode pour la victoire. Ce modèle est similaire avec les jeux de rôle. Vous pouvez soit suivre l'histoire principale, soit faire des quêtes annexes en vue d'en ressortir plus fort. Le souci, c'est qu'on pouvait passer bien plus de temps sur ces quêtes secondaires jusqu'à perdre la dynamique de l'histoire. Dans Zelda Breath of the Wild, on pousse le concept encore plus loin. Nous pouvons aller dès le début, partout sur la carte, y compris la fin du jeu. Mais y aller serait du suicide, car les caractéristiques et le matériel du héros ne nous permettent pas de gagner. Du coup, sur la carte est disséminé plein de zones d'histoire dont le but est de nous rendre plus forts. Là où dans beaucoup de jeux, on peut se sentir désorienté d'où aller, on ne le sera jamais dans Breath of the Wild puisque n'importe quelle zone est inscrite dans la stratégie de finir le boss final. Où que vous alliez, vous finiriez par vous rapprocher de votre objectif, rendant toutes les zones un contenu principal au jeu. C'est ça, la force de Breath of the Wild. La structure du jeu requiert au joueur de réfléchir et d'agir de lui-même, en lui donnant tous les outils nécessaires et une grande sensation de liberté. Le joueur ira vers ces zones difficiles car il sait que le challenge le rendra plus fort. Ce modèle pourrait être appliqué en dehors des jeux vidéo comme l'éducation scolaire où l'on force les élèves à apprendre des choses qu'ils n'ont pas envie. Mais voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo. Même si elles ont toutes été créées avec une certaine attention, laisser le joueur choisir sa difficulté est un pas maladroit dans sa conception. L'idée de légitimité ne doit pas provenir de la difficulté, mais sur le fait d'avoir choisi sa propre méthode pour parvenir à ses fins. Et pour ceux qui penseraient encore que la difficulté ne serait qu'un simple aspect anecdotique, la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire, c'est ce petit extra. Jimmy Johnson.